Pourquoi on a fait pareil alors? Alors là, on va faire la partie numéro 2 du tag garder, vendre où tu es. Alors, si vous ne connaissez pas le concept, je vous invite à aller voir la partie numéro 1 où c'est expliqué parce que je ne vais pas retarder le temps pour vous réexpliquer les règles. Alors, c'est parti, on fait petit. Alors, je garderai. Oh, parti. Alors, alors, que je vais garder, je vais dedans. Parce que c'est un bon. Non, frison qui fait. Qui est surtout spécialisé dans le cross. Voilà, un bon du cheval. Je vendrai romance. Pour les mêmes raisons que son petit. En gros, parce que c'est une snap tout à l'heure. Et comme elle est léopard, elle peut valoir des sous. Et je tuerai Napoléon. Parce que, alors. Déjà. Elle commence à s'enlever, alors elle m'énerve. Et deuxièmement, et ben, parce que il a l'air sûr de lui, il va avoir beaucoup, beaucoup de sang arabe. Alors, deuxième tir, jouer ma boîte à la vie. Une, deux, trois. Loustique. Sonia. Et Julia de la Folk. Alors. Là. Bon. Sonia. Et le stick. Alors. Je garderai. Tu l'as la folk. Parce que c'est une. C'est une honneur. C'est la nouvelle jument de Vincent, sa nouvelle Lamborghini qu'il a acheté récemment. Et il a. Enfin, il a énormément de projets avec elle, comme lui faire énormément de concours de dressage. Après, je vendrai Blue Stick. Parce que c'est un petit couleur hors qui peut en, qui en a qui a des du carburant sous son arrière train, il peut aller très très vite pour le tout ce qui est course ou relais. Et je vendrai Sonia parce que c'est une jument qui n'a pas peur de tout mais qui peut vite s'énerver parce que si par exemple si elle a un cheval devant qui n'avance pas, et ben elle peut vite péter un plomb. Ok. Oups. Troisième tirage. Un, deux, trois. Vinyle. Vif argent. Indoor. Les trucs. Alors, oui, par argent. Trucs. Et vinyle. Alors. Oups, j'ai mis ton étiquette. Alors, je garderai 8 argent. Parce que, comme il y a, bah, c'est la mascotte du club. Hein. Il y a deux petites mascottes. Alors, voilà, c'est la mascotte. Il peut être monté, mais il n'est pas monté souvent. Je vendrai truc. Parce que c'est un bon petit Tennessee Walker qui est à l'écoute des demandes de son cavalier.
qui veut pas faire ce qu'il veut. Et Vinyle, je l'ai tuerai. Parce qu'elle commence, elle commence à se faire manie, hein, dans, avec les valeurs, elle commence à vite. Non, quand on échappe au galop, elle commence à pousser. Alors voilà, et si on veut lui faire faire un parcours d'obstacles, c'est pas trop possible parce qu'elle commence vite à. Mon cardio n'arrive plus à la suivre, c'est pour ça. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire, je crois. Nutella, Doudou et attends, la fondue. Voilà. C'est la mémoire. Nutella, 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 Doudou. Alors, Nutella, Doudou et la fondue. On va pas dire les gars. Alors, je garderai Mutella. Il est 100% rab, mais il est posé dans sa tête. C'est pas comme les autres 100% rab qu'il y a dans le pré où il veut tout le temps galoper, faire le foufou. Voilà. Non, il est posé dans sa tête. Je vendrai Igloo. Parce que c'est un bon petit cheval, un bon petit cheval de race 15, qui a peur de rien, il peut aller en extérieur tout seul. C'est un bon petit gaillard, mais, par exemple, il peut pas rester une journée en boxe. Et je tuerai Aphrodite. Parce que, elle est pas, elle cherche un peu les embrouilles avec tous les poulains et tous les chevaux de trait. Et tendu, il est fixe. Tendu, il est fixe, tendu et plouf. Alors, je garderai le fixe parce que c'est le poney de la petite sœur de Marie. Voilà. Il est un peu monté partout pour tous les débutants du club. Alors voilà, c'est un très gentil petit Shetland. Je vendrai. Plouf, parce que il est même si c'est un Mustang, il a un avenir prometteur dans le dans en tant que cheval de course parce qu'il aime bien galoper pendant longtemps dans son pré donc c'est cette poule et je vendrai et je tuerai Tandy parce qu'il commence à se faire de vieux. Il fait encore les cours avec les cavaliers, mais il commence à être pris que par les débutants, parce que pour les compétitions, son chrono n'est pas assez bon. Et il commence à vouloir faire le dominant, alors que c'est un petit dominé. Virvolt, Hermès et
Windrem. Oh. Windrem, Hermès et Virevolt. Il est où? Il est là. Alors, je. Cœur de rue. Windrem. Car déjà, un, c'est le jument. C'est une jument de propriétaire. Il fait que des. Fait beaucoup de compétitions avec, de sauts. Et elle se classe souvent dans les, sur le podium, soit première, soit deuxième ou troisième. Elle fait. Elle aime. Et ça se voit que c'est du moins un tempérament, mais en or, elle est tout le temps dans la compétition. Même en détente, elle veut tout le temps être en première, pas être dernière. Après, je vendrai Hermès. Sur ce petit poulain Pinto, dû à un sacré caractère de dominant, et il pourrait faire un très bon cheval de chrono, car il veut toujours aller plus vite. Et je tuerai Virevolt, parce que ce poulain, il veut pas trop, il est insociable, il aime pas les autres poulains ou les autres chevaux. Il est tout le temps dans son coin, dans le pré. Alors, Kinder. Kinder, Kinder, Picasso et Toto. Alors, Toto, Tinder et Picasso. Alors, comment c'est trois, je garderai Picasso. Parce que Picasso, on a commencé avec son débourrage cette année, c'est un yearling. Il n'a plus accès aux parents, mais il a encore les poulains, mais c'est au plus grand de poulains pour l'instant. Et il veut. Il montre vraiment qu'il veut pas se laisser faire. Par exemple, si les poulains commencent à l'embêter, il veut pas. Il riposte pas, mais il veut pas montrer qu'il est faible. Et sa robe, bah, l'a bien plu aux deux propriétaires de centre équestre. Et il a un caractère, mais en or, mais très très joueur. Après, je vendrai Kinder. Parce que ce petit poulain. Ardennais, il est vraiment, il peut faire un bon cheval d'équithérapie ou de remise en confiance en soi pour les cavaliers. Il est vraiment gentil, il veut faire les choses doucement. Il a un petit caractère quand même de coquin. Et je tuerai Toto. Parce que, déjà, alors, vu son nom, ben, il fait que des bêtises. Et il n'en fait qu'à sa tête, par exemple dans la carrière. Si on demande de faire une diagonale ou faire un cercle, ben si Toto n'a pas envie, ben il veut faire comprendre vite à son cavalier ou à sa cavalière qu'il n'a pas envie de faire son cercle ou de faire sa diagonale. Il fera tout soit pour la faire tomber, soit pour ne pas faire l'exercice qu'on lui demande. Chagune. Légende. Et Tundra. Oh. Tundra. Chagune. Légende. Légende. Chagune. Et Tundra. Alors. Je garderai Chagune.
que j'ai une bonne petite jeune islandaise qui peut vouloir qui a l'air d'un vrai assez assez timide, mais quand elle est dans la carrière elle peut faire sa petite, elle veut faire sa petite loi, elle veut être tout le temps devant, mais elle ne fera jamais par exemple tomber un cahier ou mordre un autre cheval. Oui, elle pourrait le faire, mais elle voudrait pas faire tomber son cavalier. Je vendrai Tundra parce que c'est une jument de course qui a été réformée. Elle a le même propriétaire que Hulk Deschamps, mais elle a arrêté sa carrière de jument de course récemment. Mais si on voudrait la vendre, elle pourrait valoir très cher. Et je tuerai les jambes. Parce que déjà, un, elle commence à avoir de l'âge. Et deux, elle commence, à chaque fois qu'elle fait des compétitions, elle commence à... Elle fait bien le parcours. Mais soit à la fin, ou soit au début, elle fait une faute qui la pénalise. Et elle commence à faire les chronos de moins en moins intéressant pour être prise en concours. Clone, peline, lutin. C'est que les poneys pour les petits niveaux. Alors, je garderai lutin. Parce que, même bien que pour y fixer le poney de la professeure de Marie. Mais il est plus. Il est dans sa tête et il veut faire moins. C'est moins de bêtises que son frère clown. Alors, je vendrai son frère, le frère de lutin, clown. Parce qu'il fait trop de bêtises pour la petite sœur de Marie. Et deux, il est un peu polisson avec les autres poneys. Vite, par exemple, s'énerver pour un rien. Je sais pas pourquoi, d'un coup, il y a eu quelque chose, il peut péter à l'heure, ou voilà. Il va vite s'énerver. Et je tuerai Kaline. Parce qu'elle est vraiment à vouloir faire sa petite princesse dans le pré. Par exemple, si elle veut pas. Elle peur de la douche, ou si elle veut pas aller à la douche, elle va vite le faire comprendre à son cavalier. Elle est vite. Embêtante en tant que poney pour petit niveau. Oh. Un, deux, trois. Incroyable. Bon, vous. Tornado et Banquero. Alors, Banquero. Nous sommes là. Tornado et Bambou. Oh! Entre ces trois-là, et je garderai. Je garderai Tornado parce que ils vont commencer comme il avait quand
l'instant, la fille n'avait aucune notion, il n'était pas débourré, voilà. Et ben, ils l'ont débourré ici. Et il a commencé à avoir confiance. Il n'avait pas du tout confiance en l'homme, il a commencé à avoir confiance en l'homme. Et a vite se calmer, parce qu'avant, il était plus intenable en boxe ou en main. Je vendrai Banquero parce que, alors déjà, ce cheval bah, il a le même problème que César. C'est-à-dire qu'il va vite casser les portes, il va bien faire son outil d'intéressant. Mais il peut vite, par exemple, se montrer intéressé par les exercices qu'on lui demande, s'il y a par exemple. Comme s'il y avait une compétition, ou voilà. Et je tuerai le bon. Parce que, déjà, ben, il veut faire. Il y a comme ses parents, il veut le trait. Et lui, comme c'est un clé des dalles, et ben, il veut montrer que c'est le plus grand, alors que il n'est pas grand du tout. Un prochain tirage. Winston et l'ours. Bingo. Mon ours. Bingo, mon ours. Et Winston. Alors, pour ce tirage, je vendrai des. Je tuerai déjà Bingo. Parce que c'est un poulet qui veut faire sur ses 28 ans. Qui a déjà qui a énormément servi au club. Et si on le laisse ici faire sa retraite, on sait que il va faire encore. Soit il va commencer à faire la misère aux jeunes, ou il va faire l'idiot. Il va casser les clôtures, ou il va pas respecter. Voilà. Ah. Je vendrai Nounours. Parce que, bah voilà, on s'en fait la gueule, il sert à rien. C'est pas une des mascottes. Alors, voilà. Et je garderai Winston. Bah pour un peu comme la même raison pour Tornado, quand Vincent l'avait acheté, il avait aucune notion de respect envers l'homme. Il faisait un peu l'idiot quand on le sortait. Il faisait. Maintenant, bah, il s'est calmé, il s'est posé, il a compris qu'il était là pour travailler et pas pour faire l'idiot. Après, il fait encore un peu l'idiot à vouloir casser une voiture, mais il peut. Soit Céline, oui, continueront son débourrage. C'est parti. Bon, je vais garder Smile parce que c'est un bon il est plus, il fait pas trop de bêtises, il fait plus que son collier lui demande. Après, je vendrai Oreo parce
Et comme son frère X s'en a lancé, il manque beaucoup de sous pour les compétitions. Et il adore faire les courses. Et je dis Eldorado parce que bah lui il est un peu vieux, il aime pas trop être en prêt. Voilà. Et ça va. Bah, je garderai Ruel parce qu'elle est née et le lien entre Hulk des champs et Tundra. Relue, bah, par contre, le buteur, elle le courra sur elle courra sur les courses. Et pour l'instant, elle parle jamais parce qu'elle peut encore découvrir. Après, alors je vendrai. Titeuf, c'est un bon petit poney de club, il écoute bien, il écoute, même s'il fait quelques bêtises, mais voilà. Et je te renoue, parce que bah, j'ai pas trop muté, et je reste plutôt dans le pré. Et c'est monté, c'est... juste vite fait pour faire des compètes et voilà. Prochain tour,